Je suis désolée, je suis un petit peu gênée. Je vais vous faire un retour de course action. Monsieur a travaillé ce matin et du coup, il a été vite fait chez Action. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas s'il y a le ticket de caisse. A priori, j'ai pas de ticket de caisse. Donc, du coup, je pourrais pas vous dire les prix. Il m'a pris un cadre comme ça pour mettre la DP de mon papa qui sera fini, je pense, la semaine prochaine. Donc, c'est à 40 par 50. Il a pris un pouf comme ça, mais qui sert de bac à jouer en même temps. Ça, c'était 13 euros. C'était dans la promo de la semaine. Et il fait 39. Enfin, presque 40 cm par 71 cm. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il a pris le peigne à poux électrique. Ça, c'est moins de 4 euros. Donc, ça, c'est génial. Pour l'instant, nous n'en avons plus. Ben, nous n'en avons plus. Maïline n'en a plus. Mais on a préféré prendre, au cas où, les paquets de lingettes. Ça, c'est 1 euro, je crois. Ou un peu moins. Monsieur, il a trouvé des secoupes au coca, comme ça. À goûter, on verra bien. Il a pris ça pour la déco d'anniversaire de Valentin, qui est le 27 janvier. Et un reflet. C'est des ballons avec des confettis dedans, des ballons comme ça, des dinos. Ouais, c'est ça, c'est des ballons avec des confettis dedans, des ballons classiques et un gros ballon dinosaure. Donc voilà, ça va être pour décorer pour l'anniversaire de Valentin. On a pris deux petits collants comme ça. Ça, c'était 1 euro, je crois, pareil, un truc comme ça. Parce que Gabin enlève les chaussettes. Et du coup, à la maison, nu-pied, c'est pas possible. Donc, du coup, pour mettre sous les pyjamas qui n'ont pas de pied, eh ben, on va mettre des collants. Ah bah, tu as ta ticket de caisse, mais elle a fait. Alors, du coup, je vais pouvoir vous donner les prix exacts. Les ballons. Alors, attendez. Les ballons à thème, là, c'était 2,99 €. Le cadre photo, 4 euros, non, 5,95 €. Et le peigne anti-poux, 3,95 €. Les lingettes, 99 centimes. Et le pouf, 13,95 €. Les colons maintenant. Mince, les colons, les colons, les colons, les colons. Désolé, je cherche du coup. Collant bébé, 3,99 €. Ah non, je croyais qu'ils étaient moins chers que ça, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Alors, on s'est pris avec monsieur sur la pub de la semaine. C'est lui qui y a été, mais bon. Il a pris pour moi et pour lui. Je ne sais pas s'il a pris un bonnet. Si, voilà. Alors, pour monsieur, pour moi. Pour monsieur, pour moi, les gants. Et on a pris les tours de cou. Les tours de cou, ils sont comme ça et ils se resserrent là. C'est la même marque et ça se resserre. Moi qui ai tout le temps froid à la nuque. Ça va être génial. Même à la maison, ça se trouve, vous allez me voir avec dans des vidéos. Alors, ah où elles sont là? Alors, mince, ça va être où? Bonnet. 1,48 €. Les gants, 1,98 € et le cache-colle, 2,98 €. Tout ça que vous multipliez par deux, bien sûr. Des bonbons, parce que c'est l'anniversaire de Valentin, je vais faire des petits sachets de bonbons. J'ai prévu un style fête foraine. J'ai commandé sur Temu des petits gadgets. Je vais faire un chamboule-tout avec les pistolets à balles style Nerf. Donc vous avez tout ça dedans. Donc il y aura des petits lots à gagner. On va faire ça tranquille. Les Mawam. Puis bah il y en aura à manger aussi parce que moi j'adore ça les Mawam. Alors je les ai vus il n'y a pas longtemps. Hein. Ils sont où?
Ils sont où ces petits? €4,59, mais c'est un paquet de 550 grammes. Donc c'est gros paquet. Donc ça, il y a quoi faire. Pour Maëline, elle voulait un petit parfum depuis quelques temps. Donc papa, il a trouvé celui de la Reine des Neiges. Donc elle va être contente. Tiens, je vais lui laisser là. Ce soir, elle va être contente quand elle va rentrer de l'école. Le petit parfum. Le petit parfum. 2,49 €. J'ai quelques assiettes à dessert qui ont cassé et moi j'ai des ce vert, bleu vert là. Et elles y sont plus. Donc bah, monsieur, il en a pris 4 blanches parce que autrement c'était des noires et ça j'en voulais pas. C'était 78 centimes. Donc 3,12 € les 4. Ça va, ça va. J'ai commandé sur Temu une petite machine à pince. Ouais, j'ai fait des achats sur Temu que vous verrez plus tard. Après, je fais des retours, c'est que j'ai les moyens. Je ne veux pas entendre comme on a entendu il y a quelques mois en arrière. Oui, elle fait des hauls, mais elle n'a pas les moyens, gna gna gna. Si je fais, c'est que je peux. Il a trouvé du coup des petits œufs comme ça qui sont au rayon Pâques. Vous avez différentes variétés, mais moi, si je prends par exemple la Reine des Neiges pour Maïline, bah ça va pas convenir à ses frères. Alors que Spider-Man, ça va convenir à tout le monde. Maïline aussi, elle aime bien. Donc voilà, vous avez tout ce mélange. Donc il y a l'air d'avoir des gommes, du scotch, un peu de la papeterie quoi. Donc ça servira à tout le monde. Et donc je vais voir si ça tient dans la machine que j'ai pris. Ça c'était 3,99 €. Et je me dis que si ça tient, eh ben je vais donner les petits cadeaux aux garçons quand ils vont les avoir tirés. Et après je vais garder les œufs et pourquoi pas de temps en temps mettre des bonbons, mettre des petits mawam, les petits mawam là. Ceux-là, les petits mawam, ils doivent tenir dedans. Donc mettre des mawam, mettre des petits bonbons et puis s'amuser à faire des tirettes quoi. Il m'a repris de l'huile de coco. J'étais au fond du pot et à chaque fois qu'on y allait, il n'en trouvait pas. Et ben là, aujourd'hui, il y en avait. Donc cool. Ça, moi, ça me sert exclusivement de 99 pour les cheveux. Moi, je ne cuisine pas l'huile de coco. Ça sert pour les cheveux, bah, pour enlever les poux. Notamment, ça a servi à ça ces derniers temps. Quand il y a eu les poux, là, ça m'a bien aidé. Franchement, top. Il me fallait un câble de portable, j'ai cassé le mien hier. Mon portable est tombé, le iPhone est tombé et la prise s'est tordue et a cassé le net. Donc, ça, c'est la mouise. €1,79. Les tétines à Gabin, ça fait un petit moment qu'il les a, donc du coup, on va lui changer. Il a repris un. Ah oui. Oh, je croyais qu'il en avait pris deux. Non, il en a pris un lot. Donc comme ça, je vais pouvoir lui changer. Je sais où ça tétine, tétine. Ils sont où les tétines? Je viens de les voir passer. J'ai pas de stylo pour rayer. Bébé collant. Ah voilà, 2,22. 2,22 les deux tétines. Donc ça, c'est plutôt raisonnable. Au rayon Pâques, j'ai vu quelqu'un qui l'a publié sur le groupe de Rachel. Et du coup, j'ai fait prendre à Christophe la guirlande en diamond painting de Pâques. Et du coup, ce que je vais faire, je sais pas combien il y en a, de petits dessins à faire faire. À faire. Alors, attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a. Il y a de la cordelette. Attends, c'est combien ça? 1,59 €. Donc de la corde, des grosses perles. Ça c'est bien parce que s'il en reste, on pourra s'en servir pour d'autres choses. Le petit kit d'outils.
Je sais pas si vous entendez ma maman, je suis désolée, hein, en train de parler avec Christophe, mais ma maman parle très fort. Donc là, vous avez les petites perles, enfin, les petites pierres. On a une aiguille pour mettre la laine. On a un mode d'emploi. Ah bah du coup, il y a quatre suspensions. Donc, un œuf comme ça avec des petites tulipes. Un petit oiseau. Un petit lapin. Et un petit œuf comme ça. Alors celui-là, je pense que je le garderai pour un des plus grands. Et Maïline, je lui ferai faire peut-être le lapin ou un truc plus simple. Voilà, je vais en faire faire un à chaque garçon. Et puis, on mettra la guirlande après dans la maison. Donc pour 1,59€, le kit est bien complet. Il n'y a pas trop à diamanter, mais si vous avez des enfants qui diamantent un petit peu, bah, ça peut être sympa. Je suis désolée si vous entendez ma maman. Alors, j'avais une batterie externe comme ça, mais pas de cette marque-là, hein, une autre. La mienne, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal à recharger. Du coup, le soir, en fait, là, maintenant, je mets la tablette LED pour faire du diamond painting parce que, suivant les couleurs qu'il y a dessus ou quoi, je vois pas bien. Et je m'aperçois que ça fatigue beaucoup mes yeux. Donc du coup, je lui ai dit, reprends-moi-en une. Donc là, c'est une 5000. Donc c'est sûr, elle va se vider plus vite qu'une 10 000 ou une autre. Mais en principe, ça tient bien. Donc pour une heure à peu près, 2 heures que je fais de DP le soir, je pense que c'est largement suffisant quand c'est chargé. Et ça, c'était 7,95€. Donc elle est grosse comme... Ouais, moins grosse que ma main, quoi. Voilà. Il m'a pris une petite tasse de Saint-Valentin. Comme ça, je vais pouvoir enlever les tasses de Noël. Il y a des chocolats, là. Tasse de Saint-Valentin. Alors, ça, c'est combien? Tasse de Saint-Valentin, tu es où? C'était 2 euros et quelques, je crois. Mug! 2,49€. Après, au rayon enfant, il a trouvé ça. Il m'a dit, regarde, il y a des feutres à paillettes. Des glitters comme ça. Ils sont tout pailletés. Alors, je vais tester. Je vais tester, voir s'ils sont bien. Peut-être pour faire le grand mandala que Delphine m'a offert. J'ai commencé un petit peu. Peut-être que... Je vois que ma fille, elle a foutu le bazar. Donc peut-être que je pourrais m'en servir dessus. Oui, on voit. Je sais pas si vous verrez, mais... Non, vous allez pas voir. Moi, je vois. Ça fait un petit reflet irisé. Vraiment désolée hein, pour le bruit, si vous les entendez. Alors, les stylos. Ils sont où? Ballon fluo métallique imprimé. Ah oui, c'est là-bas. C'est cela. Attendez. Il a pris des ballons comme ça pour ajouter dans les petites pochettes cadeaux que je vais faire. Pour lui et pour ses frères. Donc ça, je viens de le voir, du coup. C'était où? Feutre à paillettes, 1,92€. Ballon, 99 centimes. Donc franchement, celui-là à tester. Après, il faut pas avoir des choses très fines à faire parce que la pointe est quand même un petit peu large. Je vais tester, et puis moi, s'ils me conviennent pas, vous savez, il y a Mylène, il y a les garçons derrière, donc il y en a bien un à qui ça va convenir. Mais je pense que ça peut être très intéressant pour faire des coloriages. Et puis le prix, il n'y a rien à dire, ça vaut le coup. Il a pris un mélange de noix comme ça pour manger le soir devant la télé quand je fais du DP et que je regarde des vidéos. Donc vous avez quoi dedans? Si je trouve en français.
Mélange d'amandes, de noisettes et de noix de cajou non salées et non grillées. Là. Le mélange de noix. Ils le font exprès, hein, je crois. Hein. Ils savent que je suis en train de faire une vidéo. 2,14. On a repris bah, les piles. On va chez Action, on prend des piles. Hein, parce que les piles, avec Noël et tout ça. Il y en a un paquet à 3,99. Non, bah, ils sont toutes les deux à 3,99. Et il m'a trouvé des surprises Mario. Ça, c'était 1,99€ la surprise. Et ils y étaient pour un moment chez Auchan, puisque je voulais celui-là que j'ai jamais eu. Alors, je sais plus c'est lesquels par contre que j'ai. Enfin, je vais essayer d'ouvrir comme il faut proprement. Alors, celui-là, c'est qui? Je vais pas les monter avec vous. Hein. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Ouais, que je regarde dans ma collection ou que je regarde mes vidéos parce que je crois que je les avais ouvert en vidéo en plus. J'ai déchiré la moitié de la liste. Ah bah oui, bah d'accord. Comme j'ai déchiré la moitié de la liste, j'ai déchiré aussi le bonhomme. C'est le bonhomme vert, c'est celui-là. C'est celui-là là, que je viens d'avoir. Vous voyez en dessin là. Donc ça c'est lui. Du coup, on en a pris 4. J'ai dit, allez, on se fait plaisir. Celui-là, c'est un marron et jaune. On va essayer de pas briller la liste. Voilà, là j'ai réussi à l'ouvrir sans problème. Avec la petite clé dans le dos. Trop bien. Et pas de doublon en plus. Après pour les doublons c'est pas gênant. Hein. J'avais commandé la série de tous les Mario comme ça là. Lego. Et soit on jouera avec ou soit. De toute façon je les donnerai aux garçons s'il y a des doublons. Ils vont être contents. Et encore un différent. Trop bien. Après, je sais plus ce qui reste. Alors, ça, c'est un truc de glace. Ah, sympa! C'est celui-là, là. Hop, tout monter chez lui. C'est congélo. C'est lui, congélo. Du coup, on a congélo, on a la clé. On a lui qui est en bas. Faudrait que je regarde. Là, tout de suite, maintenant, j'aimerais bien le pingouin. Le pingouin, la souris, le pingouin il est là. Celui-là, je crois que je l'avais. Et je crois que j'avais celui-là. Faudrait que je regarde en haut de mon armoire où il y a les Legos qui sont rangés pour trouver. Par contre, ça non, faut que je le mette là parce que sinon je vais. Oups! Je crois qu'il y a un doublon. Ah, je crois que ça sent le doublon. Ah oui. Le doublon. C'est pas grave. Il y en a un en double. C'est pas grave. C'est pas grave, comme je disais. C'est pas grave. Ça sert toujours soit pour jouer, soit pour donner aux enfants. Hop là, voilà. Donc voilà, bah, il en a eu un pour un peu cher, hein, 125 euros. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses. Eh non, j'ai oublié de vous montrer un truc. Le dernier truc qu'il a acheté que j'ai oublié de vous montrer, une couverture lestée à 7 kilos. Il a pris la couverture lestée à 7 kilos. Et ça, c'est ce qui coûtait plus cher, 22,95 €. Ça fait un certain temps que j'en entends parler que du bien. Que du bien. Et moi, j'aime bien dormir avec du poisson. Il faut que ça, c'est lourd. Donc. Et en fait, celle-là, quand vous la mettez sur vous, elle épouse votre corps. Et vous êtes bien.
Donc, je vous en dirai des nouvelles. Il paraît qu'avec ça, on dort super bien. Ah oui, je veux bien le croire parce que. En effet. En effet, quand tu l'as sur toi, tu le sens que tu l'as. Hein. Après, là, elle est doublée. Donc, elle est grise comme ça. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Par contre, je vais enlever des gels de silicone parce que si le petit tombe dessus. Donc voilà, je vous ai tout présenté. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, lol. Bisous.